Salut les touristes, Golf de Beach aujourd'hui, on part des jaunes parce que le jeu en ce moment c'est pas super, on se met encore en place. Mon gamin a pas laissé dormir de la nuit donc j'ai une bonne excuse pour être bien crevé. On verra. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, trou numéro 1. Par 4, tout droit, handicap 11. Pas taper au centre. On a un peu la pression comme d'hab au trou numéro 1, mais je pense qu'elle est sur le fairway, il n'y a pas de mal. Comparé à d'habitude où je pars dans les arbres à droite, ça va. 123 mètres, il reste au drapeau. On prend son 9, plein coup. Normalement, c'est la distance dans les 120. Ouais, c'est pas mal. J'ai passé une petite gratte parce qu'elle a pas fait la distance ou le contact n'était pas au centre. Mais bon, je suis sur le green. 5-6 mètres. On va essayer de faire deux putts. Hein. Bon, dommage, je sais pas si vous voyez, mais les greens sont un peu sablés quand même. Il y a encore des traces de trous, donc je pense qu'ils les ont. Ils les ont carottés il y a quelques temps. Mais bon, ils sont bien durs avec tout ce qu'il a plu, c'est assez incroyable. Alors, petit gauche-droite à peine. Allez! Moi qui ai redouté le 3 putts, incroyable. Bon, j'ai peut-être m'arrêter, moins 1 ou 1, non? C'est pas mal comme score. Bon, le golf, c'est beau. On en profite, hein. Tant qu'on peut, on va voir la suite. Par 5, dogleg gauche au fond. Donc on va d'abord essayer de s'appuyer un peu sur la droite avant de pouvoir attaquer un deuxième coup un peu dans la pente. On va voir. Déjà la taper au centre, ce serait pas mal. Ouais, ça avance. Je pense. Mais bon. Je me voyais plus à droite et un peu plus long quand même. Peut-être pas si bien prise que ça. Bon, ça n'a pas tellement avancé, mais c'est normal en fait, on est un peu en pente. Donc j'ai pas un gros carry, si elle roule pas, elle va pas très loin. Maintenant on prend l'hybride, on s'aligne à la mire. Avec la pente, ça va me la mettre un peu à gauche pour descendre dans la pente à gauche. Faut faire un draw, pas un hook, mais un draw. Fais gaffe à la pente. Ah non! Bon, ça avance un peu. C'est dur, je joue pas tellement avec des pentes, les pieds plus haut, plus bas, c'est assez technique. C'est beaucoup d'entraînement ça. Bon, je suis dans le rough, j'ai encore 156 mètres, un peu en descente, donc ça joue 150. Je prends le 6 et je m'aligne à droite du green, en espérant que les arbres me gênent pas, mais je devrais être assez haut. Maintenant j'ai de nouveau la balle au-dessus des pieds, donc il va falloir faire mieux. Ah, trop à droite. Trop à droite, j'ai eu peur des arbres. Ah ouais, ouf. J'ai l'impression que je suis dans la pente là-haut à droite. J'espère que je retrouverai la balle. Bon, j'ai aperçu ma balle. Elle est là-haut. Elle est jouable, même si c'est pas un coup simple. Bon, là, je sais pas trop comment les prendre, celle-là. On va un peu l'ouvrir. On va essayer de sauter, hein, au moins jusqu'au green. Allez. Allez, c'est pas mal ça. Super. Super. Bah, si elle prend la pente avant, elle va jusqu'au bunker. Elle atterrit là où il fallait. Magique. Bon, j'ai l'impression d'un petit droite-gauche, mais c'est vraiment dur à dire. Alors, je vais m'aligner bord droit. Oh là là. Ouais, super. Enfin, super. Bogey, mais c'est pas si mal. Allez. Le drapeau à 153 mètres, mais c'est comme si on jouait à 130 environ. Prendre le 8, un poil plus court, parce que normalement mon carry c'est 130 mètres. Vu que le drapeau en fond de green, on veut pas être trop long non plus. Mais un poil plus court, voilà. Et maintenant on a choisi le bon club. On s'engage dans la balle. Allez, le contact est magnifique. Droit au drapeau.
Oh, je suis juste derrière. Contact incroyable. Incroyable. Super. Bon, heureusement que je grippe plus court et que je tombe un peu dans une pente. Je tombe là. Maintenant, je peux pas nettoyer ma balle. Je suis pas sur le green. Allez, on a un petit droite-gauche. Ah, la force était pas trop mal. Un bon par, super. Toujours à zéro après trois trous, incroyable. Bon, c'est trop étroit pour partir au drive. Alors, je pourrais soit arriver avant les bunkers, mais bon, c'est quand même court. Si je passe 160 en pente, c'est-à-dire 150 environ, je passe les bunkers et ça s'allergie un peu. Non, pas à droite. Allez, trouve-la. J'ai voulu forcer. Oh là là. Je trouverai jamais de la vie. Ah, la force était bon. J'ai pas besoin de forcer. On en met une provisoire, hein, la 50 de nouveau. Mais bon, j'espère que je la retrouve là-haut. Je l'ai vu tomber dans le buisson. Ah là là, c'est surtout pas à droite qu'il faut aller. J'ai voulu forcer et je suis resté ouvert. Alors j'ai la distance. Allez. Voilà, ça c'est mieux. À gauche, mais il n'y a pas de danger à gauche. C'est parfait ça. Ah, fais-le tout de suite. Ah, le golf. Bon, malheureusement, j'ai pas retrouvé ma balle. On est à 50 mètres. Le genre de coup que j'adore. Et ouais, la belle gratte, superbe. Ah là là, ça sert vachement de s'entraîner pour faire ça sur le parcours. C'est quand même dingue. J'ai pas fait une gratte à l'échauffement. Et dès qu'il y a un peu de pression, je me liquéfie. Incroyable. Allez. Ouais, reste, reste. Ah, c'est un peu forcé. J'ai peur de gratter, j'accélère au dernier moment. Mais bon, c'est mieux qu'une gratte. Petit gauche-droite, en pente, vers l'avant donc. Faut le jouer finement, ce qui est tout à fait ce que j'aime faire. Ah ouais, et pourtant je pensais que j'étais trop court avec ça. Incroyable, ça roule beaucoup, hein. Ouais, et ben c'est là que ça fait mal quand je fais des trous comme ça. C'est ce qui m'empêche de jouer sous les 80, c'est de complètement exploser sur certains trous. Prendre des pénalités comme ça, c'est compliqué. Surtout que je prends mon hybride, je prends pas le drive, quoi. Bon, allez, c'est pas fini, hein. Bon, par 5, handicap 1, je crois. Jusqu'à présent, il m'a toujours réussi, bizarrement. Et d'autres plus faciles, j'arrive pas. On verra, il faut bien driver. On va se mettre un peu à droite de la mire, parce que la mire, c'est pour les blancs. Et si je me souviens bien, il tourne à droite, là-bas. Allez, centre de la face. Ouais, je crois que c'est pas mal. Faut espérer être sur le fairway. Ben, je crois que le rough vient vite à gauche, mais c'est un bon coup, ça avance. Bon, malheureusement, je suis pas sur le fairway, mais ma balle est posée un peu correctement sur le rough, donc c'est pas grave. Ouais, ça part à gauche. J'ai eu peur d'être trop à droite. Bon. Ouais. Ah, ça devrait aller en bas là-bas. 99 mètres au drapeau, il est un peu entré de green. Moi, je vais jouer un peu à droite et le 50, faire 103, 104 mètres. Ça devrait être la distance. Hop. Ouais, chariot. En pente. J'espère que j'ai rien foutu en l'air. Voilà, désolé. C'est ça qui est compliqué, hein, quand on joue avec la caméra. J'espère que j'ai rien cassé. Ça a l'air d'enregistrer. Maintenant, reste dans son coup. Heureusement qu'il n'y a personne. Allez. Allez, je pense que c'est bien pris. Ouais, superbe. Elle va là où je visais. Beau niveau, ça change de la gratte. Super.
Ah dommage, hein, j'ai pas dû mettre beaucoup de spin parce que ma marque de pitch est vraiment 50 cm derrière le drapeau. Mais la balle a bien roulé à 3-4 mètres, donc je pense que le fait d'être dans le rough m'a enlevé du spin. Alors, qu'est-ce que je vois? Petite porte gauche-droite. Droite-gauche. Voilà. Tellement dur. Je pense que c'est une pente gauche-droite. Ouais, c'était une pente gauche-droite. Oh là là! Et voilà, et elle s'éloigne, elle s'éloigne. Pourtant, Nico m'a expliqué, si elle vient de là-haut, elle n'est pas aussi loin. On prend pas assez en compte la pente. Ouh! Ce fut chaud, mais je crois bien que je fais le par. C'est bien. Par 4, trop à l'aveugle, on voit pas au départ, là il y a une mire, donc on va s'aligner sur la mire et après ça descend. Donc ça sert à rien de forcer, hein. Tant qu'on est dans la pente, ça avance. Ouais, magnifique celle-là avec un draw. Bien prise, ouais, j'espère qu'elle va rouler là où il faut. Bon, super drive, il me reste 108 mètres au drapeau, donc avec la pente ça fait 100 mètres environ. On prend le 50 parce qu'on est vent contre. On attaque le drapeau, il n'y a pas plus de pièces à gauche, à droite. C'est surtout devant, donc le contact est primordial. Ah, j'ai mis un petit coup de poignet, je pars à gauche, mais ça va, je suis sur le green. J'ai peur de gratter. J'ai un peu gratté, mais je l'ai prise tellement basse qu'elle a quand même fait sa distance. Je pitch là, et la balle reste au même niveau. Donc là, j'avais beaucoup de spin. Donc j'ai une grosse pente vers l'avant et un peu droite-gauche. J'ai eu peur. Est-ce que je vais avoir un peu? Allez, allez. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Même si je suis court, deux putts, c'est génial. Voilà, le par avec un green en régule, c'est bien ça. Par 3, 126 mètres. Mais avec la pente, ça doit être dans les 130, donc on prend le 8. S'aligner un poil à droite, parce que on a l'impression que le green est droite-gauche. Ouais, 3 à droite. Touche pas. Ouh, tout juste. Allez, on est bord du green. Grosse pente droite-gauche. Mais c'est pas possible. Je vous jure que je me suis entraîné dernièrement, j'en ai pas fait un. Comprends pas. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ce sport me rend chèvre. Ouais, c'est un truc de ouf. Vendredi, je fais des supers approches. À l'échauffement, des supers approches. Dès qu'il y a un peu de pression, je fais n'importe quoi, je comprends pas. Maintenant, il nous reste un très long putt. Ouais, j'ai pas pris assez, je le savais, parce que j'arrêtais pas de me tourner, mais j'ai quand même pas. Ah là là. C'est ces trous là où j'explose complètement, qui me coûtent tellement cher. Comment je fais pour pas avoir une pente comme ça? Ouais, c'est pas si mal putté ça. C'est le premier que je fais n'importe quoi. Voilà, premier 3 putts. Allez, se remettre dedans. Celui-là, visuellement, n'est pas simple du tout non plus. Parce qu'on voit pas, mais ça s'ouvre, le fairway est à gauche là. Donc faut absolument que je n'ai pas peur des arbres, que je m'appuie sur le côté gauche au-dessus des arbres là. Et on sera sur le fairway. Allez, poil à droite, mais. Je devrais pas être trop long. Ouais, c'est bien. Je suis dans le fairway. Il me reste 227 mètres au drapeau. Mais j'y arriverai pas. C'est tout en dévers, droite-gauche. Donc avec mon draw, j'ai les arbres à droite. Et si je vais à gauche, je risque de rouler. Donc je prends mon 7 pour faire un layup. Oh, c'est gratté ça. Ça y est, je commence à rentrer dans ma tête tout seul. Heureusement que le terrain est dur, que ça avance. Bon, on est milieu de fairway, il reste 103 mètres, un peu en pente, donc ça joue dans les 99. Donc, c'est ce que je voulais. Maintenant, on va voir
si ça paye ou si c'est juste la peur du chipping qui fait que je joue par défaut. Voilà, ça c'est un bon coup, bien engagé, poil à droite, mais ouais, super. Allez, pente droite-gauche. Ah là, je joue quand même un peu petit bras. Ouais, non, si, c'est la distance, hein. Je prends juste pas assez de pente. Allez, c'est bien le par. Par 4. Pour passer le bunker à droite, c'est 210 mètres, donc j'ai pas le carry. On va s'aligner à gauche avec le drive. Si on est à gauche là-bas, c'est pas mal aussi pour attaquer le drapeau. Oh là, j'apprends pas bien du tout. Oh là là, c'est pas possible. Bon, j'ai de la chance, je retrouve ma balle, elle a passé le bunker. Parce que j'étais un peu de côté, il était moins loin. Mais j'ai les arbres devant. Ouais, je sais pas si j'aurais assez de force si j'ai gratté. Ouais, j'ai gratté. Ah là là. Voilà. Allez, avance. Ah, c'est même trop court. Dommage. Bon, moi j'ai pas gratté, donc je me satisfais de ça. Mais je suis loin de la zone des 90 cm. C'est pas assez fort, mais c'est nul, j'ose pas maintenant. Je crois qu'on s'en sort avec bogey. Par 4, dogleg droit, vent droite gauche. Donc on va s'aligner à l'arbre vert, là-bas au fond, à côté de l'arbre, je sais pas, prune. C'est pas pris au centre de la face, mais ça va avancer là où je visais. Donc c'est très bien. Ouais, milieu de fairway. Je sais pas où je les tape, mais pas au centre. Bon. 59 mètres, mais il y a une pente, alors je vais essayer de faire un pitch avec mon 50 et que ça roule jusque là-bas. Ouais, c'est pré clean, c'est pas super, c'est forcé, mais bon, c'est sur le green, ça roule trop. Ouais, si j'ai pas peur de cette gratte, c'est un bon coup ça. Maintenant, je suis au fond de green là. Alors je vois une pente droite-gauche, donc je vais essayer vraiment de la chercher cette pente. Surtout qu'on est en montée, ça break plus en montée. Ouais, il n'y a pas de pente du tout. Elle est partie droite là où je visais. Oh là là, j'ai pas osé taper. Et je fais un 3 putt pour un bogey. C'est nul, c'est là qu'il faut que je progresse. Vraiment. À moins de 60 mètres, je fais combien? Je fais 4 coups à moins de 60 mètres, c'est ça le problème. Par 5, dogleg droit. Alors on voit deux grands arbres là, ils sont que à 204 mètres, donc il faut vraiment que j'arrive à viser à droite de ces arbres là, quoi. Mais j'ai les arbres à droite qui me gênent visuellement. Mais j'ai pas le choix parce que sinon après, si je prends un hybride, je suis trop loin. Ouais, je prends un bon petit fade. Je pense que je suis sur le fairway. Ça, c'est le genre de trajectoire que j'ai pas l'habitude. J'ai peur du hook, je pense. Ouais, avec le dogleg droit, je vois pas le drapeau. Mais les piquets 135 sont à 120 mètres. Donc, je vais prendre le 6 pour m'aligner milieu de fairway et avoir genre un 8, un 9, un pitch après en main. Ça m'entraînera à taper mes 6 aussi, que je tape rarement. Allez, ça aligne milieu de fairway. On va avoir un poil à gauche pour s'ouvrir le trou. Ouais, mais à gauche, j'ai dit, pas à droite. J'ai entendu, mais j'ai rien vu. Bon, ben, j'ai touché l'arbre. Maintenant, je suis tombé droit dans le rough. J'ai les arbres devant. Il me reste 153 mètres au drapeau. Vent dans le dos. Je prends le 5 et c'est de la punchée basse. Je sais pas faire ça, mais c'est maintenant qu'il faut s'entraîner, hein. Ouais, je sais pas faire. Fais une belle gratte.
ça, pas ça, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on est nul quand on n'est pas sur le fairway. 87 mètres, un peu en hauteur, donc 90, mais on a le vent dans le dos. Donc je prends mon 58 qui fait normalement 85, 87. On va essayer de faire un coup de golf, pas gratté. Oh là là. Fou. Je pense que c'est la plus grosse escalope que j'ai fait de ma vie. Je vois un petit gauche-droite. Ah, je ne vois pas taper assez fort. Ah là là. Je ne suis pas dans les 90 cm. C'est bien nul ça, allez. J'ai fait la technique du petit putt et j'ai fait un petit putt. C'est pas possible. C'est pas possible d'être nul comme ça. Commence à taper un double de manière complètement. Bon, par 4 je crois, vent dans le dos. Si je m'aligne à la mire, les arbres viennent vite derrière, des jaunes là. Je crois qu'ils sont 4212, 211. Donc on va essayer de s'aligner à gauche de la mire, mais à droite du bunker. Plus à gauche que je voulais, mais je pense qu'elle est passée. Bon, j'ai super bien coupé. Il me reste plus que 100 mètres au drapeau. Je vais essayer de m'aligner un poil à gauche du drapeau. Oh là là, c'est quoi c'est? Ah, oh, je pense qu'il y a un gros bunker. J'ai la distance, hein, mais c'est des angles d'attaque vachement trop descendants. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je reste. Au lieu de pousser sur la jambe et de tourner, je reste et je m'enfonce. C'est pour ça que je vais à droite et c'est pour ça que je m'enfonce. Il faut que je pousse sur ma jambe gauche là. Il y a la fatigue. Moi, j'ai quand même réussi à choper un bout de green. Alors, un petit droite-gauche. Ah, la force était bien. On est dans la zone des 90. On fait la technique du putt court et on la met. Voilà. C'est bien. Bon par. Trou qui m'a rarement réussi par le passé. Je sais plus si c'est un par 4 ou un par 5. Il me semble que c'est un par 5. Mais je partais en hook à gauche ou en slice à droite. Alors, on va s'aligner à la mire. Et on va essayer d'aller tout droit. Hein. Facile le golf. Ah, ça part un peu à droite. Ouais, ça part bien à droite quand même. Hein. Moi, j'ai de la chance, elle est jouable, mais j'ai des arbres au-dessus. Donc je vais prendre l'hybride pour passer en dessous. Mais elle est un peu enfoncée dans le rough. J'aurais quand même préféré prendre mon 7, mais ça passera pas. Donc on va gripper un poil plus court et bien le prendre en descendant. Allez, le but, c'est d'être sur le fairway là. Ouais, ça passe juste en dessous. C'est pas un super contact, mais ça va être dans la pente, ça avance. C'est bien. Bon, je sais pas si vous arrivez à apprécier, mais j'ai une grosse pente vers l'avant et vers la gauche, avec un coup à 60 mètres. Tout ce que j'aime, un pitch. Bon, avec le bunker devant. Alors, on va essayer de faire un pitch avec 154, passer le bunker qu'elle roule, genre comme ça. Voilà. Maintenant, faut pas ralentir. Allez, ça pourrait être pas mal. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Mais ça va. C'est mieux que d'être trop court dans les bunkers. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Ouais.
Et c'est un bon par ça. Vraiment. Avec un pitching à faire là, je suis content. Bon, trou visuellement très compliqué. Vous voyez comment c'est serré. Le drapeau est un peu sur la droite. On voit juste un bout de rouge dépasser. 178 mètres, le drapeau. Je prends l'hybride. Je vais m'appuyer un peu à gauche. Ouais, c'est un poil gratté. Je suis resté un peu en arrière. J'ai eu peur de partir à gauche, mais ça avance. On verra ce que ça donne. Je serai pas sur le green, je pense. Mais peut-être pas dans le bunker. Faudra que je passe au-dessus. Ce que j'adore. Bon, je suis hauteur drapeau. Mais dans le rough. Pas un coup simple à jouer. Faut que j'arrive juste à la fringe là. Mais non, pas comme ça. Je ralentis, j'ai peur. Là, monte doucement et accélère. Allez, on persévère, hein, parce que il serait temps de bien s'entraîner. C'est nouveau gratté, mais ça ira. Ouh, j'ai failli la louper celle-là. Ouh là 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 là. Par 4 en montée, il m'a jamais trop réussi. On va essayer de se mettre à gauche. Je fais soit des hooks à gauche, soit des slices à droite. Ce serait bien d'en mettre une sur le fairway. Sur celui-là, il est déjà assez compliqué. Ouais. Par là où je vise. Maintenant, est-ce qu'elle monte un peu la pente? Que je vois le drapeau, on verra. Bon, 114 mètres, on prend le pitch. Allez, contact de balle. Ah, je me suis relevé un peu tôt, mais elle est droit au drapeau. Ah, elle est courte. Prise un peu clean. Bon, nouveau chip. C'est bien, au moins je vais m'entraîner en situation. Parce qu'à l'entraînement ça marche, mais en situation non. Donc, c'est ici qu'il faut que je trouve la solution. Voilà. Ça c'est bien. Allez, rentre. Oh, j'y ai cru un moment. Allez, un petit gauche-droite. Ça aligne au bord gauche. Ouais, c'est super ça. Comme par. Ouh, ça fait du bien. Dès qu'on chip mieux, hein. Par 4, d'un leg droit. On a le vent contre. L'arbre à droite, là, on peut couper au-dessus. Il y a 155 mètres. Normalement, il devra me gêner en hauteur. On va faire comme s'il n'existait pas. Ça aligne un peu à droite de la mire. Ouais, je pars à gauche un peu. Ah, ça va. Ça devrait aller. Je voulais plus couper, mais j'ai eu peur au dernier moment. Et il me reste 144 au drapeau. C'est pas mal. Je prends le 6 pour être un peu plus long. Genre, je raccourcis un peu. Je vise 150, 146. Allez, surtout le contact. Sinon, il y a les bunkers devant. Ah, c'est pas super bien contacté, ça va à droite. Je me suis relevé trop vite. Aïe. Aïe, je suis derrière l'arbre. Là-bas, dommage, c'était le club, je pense. Bon, j'ai pas de chance et j'ai de la chance en même temps. Parce que je suis derrière l'arbre, mais normalement, je peux attaquer le drapeau. Allez, c'est pas mal. Allez, allez, voilà, accélérer. Allez, touche. Oh! Je sais pas si vous avez vu, elle rentre dans le trou, elle ressort. Elle était un peu forte, mais elle a accéléré. Elle est tombée juste sur une pente. C'est dommage, c'était pas mal. Pour le par, ça serait bien sauvé de nouveau. J'ai aussi peur de le louper celui-là. Par 4, dogleg gauche. Il y a une mire, hein. On s'aligne de nouveau à la mire. Un poil à gauche. De nouveau pour couper. Pas trop. Ouais, quoique, non, à la mire. La mire, c'est très bien. Pas besoin de prendre de risques là. S'il n'y a pas besoin. Ça fait un drôle de bruit, mais elle est partie droite. Enfin, un poil à droite, mais. On dirait que j'ai cassé mon driver. C'est bizarre, le bruit. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire quand tu les prends bien, les driver ping. Allez, il reste 175 mètres au drapeau, mais en pente, donc environ 160. L'hybride, je pense être trop long, je prends mon fer 4. Je vois pas trop s'il y a un danger devant. Tant pis. Allez, contact. Ah, ça part à droite, dommage.
pas si mal. Ouais, je l'ai pas vu tomber. Je sais pas si c'est long ou court. Voilà, là j'ai un long putt gauche-droite. Limite, j'aurais préféré faire un chip. On se fait confiance. Oh, que c'est fort. Oh là là. On se fait confiance. Mon. Ah, c'est n'importe quoi. Comment je fais pour être aussi long? Regardez ça. Où j'arrive à être encore 3 mètres derrière. Allez, on peut encore faire le par. Pour ça, il faudrait mieux putter. La force est mieux. Ah, oh, j'y ai cru. Dommage de faire 3 putts sur le 17. Aïe, aïe, aïe. Allez, dernier trou. Le retour était pas si mal. J'étais mieux dedans. À certains moments. Là, on est à 115 mètres du drapeau avant contre. Donc, je prends le 9. Allez, soit la club. Oh, je pense qu'elle est magnifique. J'ai vu rebondir à côté. Je sais pas à quel point les greens sont durs, mais elle est magnifique. Oh, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Bon, fini par le par, c'est pas si mal. Merci les touristes, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu fastidieux par moment, mais il y a eu quelques progrès là, ça me donne confiance pour la suite. Allez, on va voir.